السلام عليكم مشاهدي قناة نايت تيب مرحبا بكم اليوم غنهضروا على مشروع قانون المالية 2023 وغنشوفوا أهم المستجدات اللي هذا القانون إذا أهم مستجدات مشروع قانون المالية 2023 كتهم ثلاثة المحاور كاين لامبو سيغ لو دخل على الدخل كاين لامبو سيغ لي سوسيتي على الشركات Ok, no, la TVA est la TVA. Nous avons l'impôt sur les sociétés. Alors, nous euh, avons un qui est la à la l'impôt sur les sociétés. Le jalide de l'IKEN ou le passage vers une application des taux unifiés à partir du 1er janvier 2026. الو اللي كان في المغرب هو قبل 2023 ستادير 2022 وقبل هو كاين 3 طو ديال لامبو سير لي سوسيتي كاين 10% كاين 20% وكاين 31% بالنسبه لي سوسيتي اللي عندهم ان بينيفيس فيسكال نيت سوبيريور ل 1 مليون درهم و سي تام باريم بروبورسيونيل سافيدير كو كتشوف اين ترونش فين طايح و كتابليكي لو طو كوريسپوندون quand le une progressive, ça veut dire que qu'elle bénéficie même d'un montant à déduire. Et le jadid fait l'impôt sur les sociétés ou le passage vers une application des taux unifiés progressivement sur quatre années. Et alphine à partir de 2023 réoulé à un passage vers les taux unifiés et les récoltes le même taux d'imposition les pour l'ensemble des sociétés. On le cas exceptionnel. Donc, il y a un passage vers une application des taux unifiés progressivement sur quatre années. C'est-à-dire, les sociétés les canaux qui sont 10% comme 2023, en 2023 est 12,5%, en 2024 15%. 2025 17,5%. Pour arriver en 2026, les gens appliquent le taux unifié. À partir de janvier 2026, ils appliquent le taux unifié, les à 20%. Donc, à partir de euh, 2026, ils le même taux pour toutes les sociétés. Car les sociétés réunissent le même taux d'imposition, les rois 20%. Except les sociétés les andhom un résultat fiscal net supérieur à 100 millions de dirhams had les sociétés ykon à partir de janvier 2026 le taux de 35% hada howa le taux ديال les li ghaykhalsou donc c'est une proposition liée jat f projet qanoun al c'est à dire mazal ma ma confirmat baqi le projet al qanoun f tour d'ethase f ghoraf Eldan, le but, il est lié à l'impact sur les sociétés ou le changement l'impact est connu. Les observations sont que toutes les sociétés sont concernées, même les sociétés qui ont une caserne financée, les sociétés installées dans la zone euh, d'accélération industrielle ou les sociétés offshore qui ont une caserne offshore, une technopole, une caserne offshore. À de colom, ils sont concernés par l'auto unifié soit le 20%, soit 35%, il a un résultat fiscal supérieur à 100 millions le d'euros. Mmh. Les établissements de crédit et les organismes assimilés, les entreprises d'assurance et de réassurance, ont mmh. un passage de 37% à 40%. Il 40% au lieu de 37% actuellement. Alors, un autre changement, les cannes, euh, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, et concerne les organismes de placement, l'OPCI risque de perdre l'abattement habituel de 60%. Normalement, à les sociétés, les organismes de placement, OPCI, avant 2023, les dividendes et les revenus assimilés rentrent dans la base imposable à l'IS, donc les dividendes euh, reçus et les revenus reçus, par les organismes hado rentrent dans la base imposable à après un abattement de 60%. Ce qui est imposable, c'est les dividendes et les revenus assimilés ou à 40%. À partir de 2023, les dividendes et les revenus assimilés rentrent dans la base imposable à sans aucun abattement. C'est-à-dire que les dividendes et les revenus. Il ah, sera imposable à 100%. Et ça risque perdre, euh, de perdre l'attractivité du français classique. C'est-à-dire que les sociétés au sont pas en train de faire l'avantage fiscal. Alors, en deux heures, le mémoire est l'impôt sur le revenu. Nous l'impôt sur le revenu. le il faut le revenu foncier. Le revenu foncier, quand une personne a un appartement à l'ouïe, qui le cas chaque fin du mois. C'est un revenu foncier. Avant 2023, ce qui est faisable aujourd'hui, c'est qu'il y a une imposition à partir du revenu foncier supérieur à 30 000 dirhams ça veut dire qu'il a un appartement qui a par exemple 2 000 dirhams par mois c'est à dire 24 000 dirhams par an on va commencer par le seuil il y a une imposition à partir de 30 000 dirhams il y a une imposition selon le taux avant 2023 si le revenu foncier est inférieur à 120 000 dirhams par le taux appliqué à chaque lumière. Si le revenu foncier est supérieur à 120 000 dirhams, le taux appliqué est 15%. Mais à partir de 2023, selon toujours le projet de la loi de finances, à la suppression, il y a la suppression du seuil d'exonération de 30 000 dirhams. Cela veut dire que quel que soit le prix que l'appartement, tu dois payer de l'impôt à la le de

ou bien sûr, le barème héda va faire tacher changement. En position non libératoire, ça veut dire que les revenus fonciers, il faut les déclarer à la fin de l'année. je faut le profit foncier. Le profit foncier, quand vous une session, que ce soit l'appartement, un terrain, que ce soit agricole, un terrain. Le milieu urbain. Donc, il y a un profit foncier. Alors, avant 2023, les CAN ont une exonération en matière de à le profit foncier des opérations de cession d'un immeuble ou la partie de l'immeuble occupée à titre d'habitation principale par son propriétaire. Il y a un profil Il y a l'habitation principale d'ILO. L'avantage de l'ICANDIXEL, c'est que tu exonéreras l'imposition, le DLD le profit foncier et la dose de la session avant l'expiration du délai légal de 6 ans. Alors, à partir de 2023, il y a la suppression de cet avantage. Alors, je vous invite à mettre un abonnés, la chaîne. Je vous invite à mettre un abonnement ou à faire le si vous déjà dit. Alors, après, il y a un point là, la session immobilière. C'est-à-dire, le bail de Qui fait -de, la déclaration d'une session immobilière. Là, l'administration fiscale a un nouveau mode de contrôle. Mais, quand qui une session immobilière, ça veut dire que l'Arcade, que ce soit terre ou l'appartement, soit contacter l'administration fiscale un délai de 30 jours. Suivant le compromis de vente, ça veut dire que quand je suis en le bail, quand je suis en train de faire de faire donc il y 30 jours, je suis en l'administration fiscale. Quatrième, je suis en train de l'administration fiscale a délivré une délivrance d'une attestation d'exonération ou de liquidation d'impôt sur la base Communiqué par l'administration fiscale dans un délai de 60 jours. Mais les cas de D, un délai de 30 jours à partir de la date de dél, le compromis de vente, les indices de Cas de dé, le dossier qui l'administration fiscale. L'administration fiscale a un petit répondre Tu te dis que voilà le montant de l'impôt qui va être clos. Il y a bases bien sûr, à des vagues de levée, les prix, la cession et tout. وهنا لافونتاج اللي كاين هو ديسبونس دي كونترول فيسكال صافي ملي كتخلص داك المونطون اللي قال اللي قالت لي خرجت لك لادمينستراسيون فيسكال فهاد لوكا عندك الاعفاء من آه الكونترول فيسكال يعني ما غاديكش المراجعه من بعد دوزيام اوبسيون اللي ما بغاش يمشي عند لادمينستراسيون فيسكال اللي يسول على المونطون الضايع شنو غايدير il a une souscription d'une déclaration sans l'avis de l'administration fiscale. Il y a un premier qui a mis la session, a la a la un premier du profil immobilier qui est sur l'Internet, sur le site un DG. On a de la DGI. est mis en place, il déclare le montant, il fait la déclaration, il dit le montant ce montant, il va le finir. L'administration fiscale, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que versé provisoirement la différence entre le montant que fait Facime-toi, la déclaration, et les 10%, les 10 du prix de session. On va la différence bien à tout, et elle est retrouvée. en attendant, la fiscale engage la procédure de rectification. Faites-le-lui, soit, soit il y ait une restitution de l'impôt, qu'elle ait un défilus, elle ait un zéin, soit qu'elle ait un complément de l'aide. Donc, y a les deux options. Voilà, c'est un nouveau mode de contrôle de l'administration fiscale. Une va pour les revenus salariaux. On a un avantage pour les salariés. C'est le relèvement du taux forfaitaire de déduction pour les frais professionnels. Les frais professionnels avant 2023. Ils sont... Au taux de 20% avec un plafond de 30 000 dirhams par an, c'est-à-dire 2500 par mois. Le salaire brut imposable d'y a 20% car avec les frais professionnels et d'amener le brut semi Donc avant 2023, il est plafonné à 2500 dirhams par mois, 30 000 dirhams par an. À partir de 2023, il a là Had le point L'auto forfaitaire de déduction est 35% au lieu de 20%. Mais pour les gens les ont un salaire brut imposable inférieur à 6 500 dirhams par mois. 78 000 dirhams par an. Sinon, cette euh, il est fixé à 25% pour Nasli, il un salaire brut mensuel supérieur à 6500 dirhams, l'équivalent de 78 000 dirhams par an, sans que cette déduction puisse excéder 35 000 dirhams l'année, ça veut dire 2917 dirhams par mois. Alors, si les avez déjà un plafond, c'est-à-dire déjà 30 000 dirhams, vous 5 1000 dirhams sur le brut imposable. Voilà. Après, il y a le rachat lié au contrat d'assurance retraite. Il y a les sociétés qui ont la retraite complémentaire. Il y a un le moustache de 2023 Il y a la possibilité de l'étalement sur une période maximale de 4 ans des sommes rachetées selon le taux de l'obligation, euh, sans abattement. Alors, à partir de 2023, la nouveauté qui a fait le sujet, c'est tout rachat, tout rachat est soumis à une retenue à la source de 30% non libératoire, sans aucun abattement. Euh, un autre point, on voit des taux de la cotisation minimale. Avant 2023, il 5 taux, 0,5 et 6%. À partir de 2023, toujours sur le projet de la loi de finances, il a 2 taux, 0,25% ou 4%. Nous bon, avons le, le point de le résultat courant au ramortissement négatif ou positif. Donc, quel que soit le résultat, un 0,25% ou à l'autorité minimale, au 4% municipal des provisions libérales. La, la contribution de solidarité euh, sociale restera appliquée aux contribuables suivant. Alors, qui m'a déjà le cas pour les sociétés ayant un bénéfice supérieur égal à un million de au titre du dernier exercice clos. Euh, les personnes physiques soumises au régime résultat net réel ayant un revenu professionnel et agricole net supérieur euh, égal à un million de dirhams. Les sociétés installées dans les zones d'accélération industrielle et les sociétés du et non Cité, que l'homme a concernées par la contribution de solidarité sociale. Le Bahim dialogue a le même. 1,5, 2,5, 3,5 et 5% à partir de résultats résultat net fiscal supérieur 40 millions de dirhams. Et les sociétés exclues, mais la contribution sociale solidarité, on les sociétés exonérées de l'IS de manière permanente. Voilà, euh, je Laks, il y a l'attaque. La taxe sur la valeur ajoutée. La nouveauté, les KNA, ou le relèvement euh, du taux de TVA appliqué aux certaines professions libérales, même 10%, 20%. Et ça touche les avocats, les adulteurs, les notaires, les huissiers de justice. Et le point, les. كيهضر عليه طول موند هو لا سيفونسيون ديال غاز البوطان واش البوطا غتبقى بلو بري باش كنشريوها اكطويلمون ديال 40 درهم ولا غيوقع غتحيد لا سيفونسيون غيتحيد الدعم ديال الدوله وغنوليو نمشيو ناخذوها بلو كو دروفيان ديالها اللي هو تقريبا 120 درهم 120 درهم فإلا دخلنا لمشروع قانون المالية غنلقاو بأن الدولة خصصت واحد الميزانية ديال خمسة وعشرين فاصلة تمنية مليار درهم لدعم غاز البوطان والسكر والقمح اللين دونك اللي كنستنتجو من هاد المعلومة أن البوطة باقا غيشمل الدعم في ألفين وعشرين لكن هناك توقعات بأن الدعم غيتم رفع ديالو ابتداءا من 2024 على كاع المواد الاساسيه منها غاز البوطان و الساعات غندخلو في الدعم المباشر فحاليا الدوله بدات كتسجل المواطنين اللي كتعتبرهم ذو الدخل المحدود في السجل الوطني الاجتماعي واللي غتطبق عليه باش تعطي الدعم تعطي لهم الدعم المباشر فوالا لا بريزونطاسيون ديالنا سالات الا كانو دي كيستيون في لي كومونتير نجاوب عليهم وما تنساوش تابوناو ولا شين وتبارطاجيو مع لي زامي السلام عليكم